Elle s'appelle Dior, rien à voir avec un produit de luxe. Quand on lui demande ce que veut dire ce prénom, elle prend un réel plaisir de nous donner une explication. Ça serait con que l'on la rende fou. Tu m'envoies tes souvenirs de nous. Hey, t'es avec qui ? T'es où ? C'est un prénom qui n'a aucune signification. Il a juste en fait une valeur particulière puisque c'est le nom du Toussaint Louverture du Sénégal. Donc c'est l'homme qui a vraiment libéré ce pays. Alors lui, son nom s'écrit D-I-O-R. Énormément de Sénégalais et de Sénégalaises s'appellent Dior. Et donc pour éviter la confusion, mes parents ont décidé de m'appeler Dior avec un J pour ne pas confondre avec la marque. Cette jeune chanteuse multi-instrumentiste n'a que 15 ans et possède un immense talent qui dépasse les frontières. C'est un concept qui est un peu particulier puisqu'il est très divers. Il mélange la variété française avec des rythmes techno. Donc moi, j'appelle ça la variété techno, tout simplement. Parce que je suis très attachée donc, à la valeur des textes, à leur signification, et puis en même temps à ce côté actuel, frais et puis naturel que nous avons trouvé avec Eric. Des ajouts au piano, parce que des belles idées au piano, c'est mes apports, l'habillage, le design sonore électronique, on peut un peu dire, donc c'est ça. Pour sa première scène dans son département d'origine, Dior partage durant 2 jours la scène du centre culturel Sonis avec le bassiste Eric Delblanc et plusieurs autres artistes dans ce concept Paris-Guada, Guada-Paris.